Je m'appelle Joséphine et je suis nounou pour animaux de compagnie. À la base, j'ai toujours eu beaucoup d'animaux de compagnie dans mon entourage et je me suis aussi beaucoup occupée de ceux de mes amis quand ils partaient en vacances ou en week-end. Donc, je me voyais pas faire autre chose de ma vie parce que j'aimais vraiment le contact avec ces animaux. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que je peux voir une multitude d'animaux. Ça va du chien, du chat, mais aussi des animaux un petit peu plus exotiques comme les pogonas, comme les tortues. J'aime vraiment cette multitude, le fait qu'au final, je fais pas toujours la même chose. Et j'aime beaucoup aussi le contact humain avec les gens, parce que mine de rien, ils me font confiance et je fais tout pour être à la hauteur. Le moment que je préfère dans mon métier, c'est quand les animaux me voient arriver chez eux. Ils ont passé la journée tout seuls et je suis leur seule visite de la journée. Et là, on sent la joie dans leurs yeux. Quand j'arrive chez les gens, je ne me contente pas simplement de nourrir l'animal et puis de repartir. J'aime bien jouer avec lui, regarder si tout va bien, prendre vraiment le temps de regarder qu'il n'y a rien qui cloche et puis profiter un peu de lui et lui faire oublier que ses maîtres ne sont pas là. Je garde les animaux chez leur maître, comme ça ils ne sont pas stressés par un changement d'environnement et ils restent chez eux. Je m'adapte aux besoins de l'animal. S'il faut nettoyer la cage d'un rongeur, je peux le faire. S'il faut donner des médicaments, je peux le faire. J'ai même été formée par mon vétérinaire pour faire les piqûres d'insuline, au cas où certains de mes petits clients auraient des problèmes de diabète. Les gens qui font appel à moi sont des gens qui partent en vacances ou des actifs qui travaillent, qui ont de très grosses journées de travail. Et je pense que ça reste malgré tout des gens soucieux du bien-être de leur animal. Pour vous donner un exemple, je me suis occupée dernièrement de 3 chats. La dame partait en vacances pendant une semaine. On a pris le temps de se rencontrer en amont pour discuter des habitudes des chats, combien de fois je devais les nourrir par jour, quel type de nourriture je devais leur donner. Et puis la dame est partie, moi je me suis occupée des chats. Tout s'est très bien passé, elle les a retrouvés en forme. Elle était très heureuse de les retrouver. En conclusion, faites appel à moi pour des maîtres sereins et des animaux heureux.